Bonjour, bonsoir, Sullivan est trop bien. 25 heures de jeu déjà effectivement, 25h07. Je pense qu'on peut enlever, soit Xenoimite, on peut enlever peut-être, bon minimum une demi-heure. Sachant que j'avais passé 20 minutes l'autre fois à oublier d'éteindre le stream, donc il y a déjà 20 minutes, c'est sûr qu'on peut les enlever de ce compteur. Après, il y a eu 2-3 fois, il me semble, où j'ai lancé le stream, donc ça fait 5 minutes. Où en gros je bougeais pas et je jouais pas vraiment. Je pense qu'on peut partir sur 3 quarts d'heure en moins sur ce temps de jeu là. Ouais, au max, non. Je sais pas. J'essaye de calculer, vous n'aidez pas. C'est pas facile d'être le seul érudit dans la pièce, si vous voulez. Le seul qui sait faire des mathématiques. De l'arithmétique. Ah oui. Salut Fedoshi, salut Fedoshi. Je sais pas pourquoi, il y a eu deux pseudos rouges. En même temps, en fait, c'est que Xenoimite est trop bien. Je l'ai déjà vu. Vous n'aurez pas plus d'un seul bonjour de ma part, c'est mort. Bonsoir d'ailleurs. Bonsoir, effectivement. C'est à partir de quelle heure déjà? 18 ou 19, bonsoir? Si c'est 19, tu es ballsy parce qu'il est pile 19h. Ah oui, alors. Qu'est-ce qu'on foutait? Qu'est-ce qu'on faisait? Alors. Ah oui, oh oui. Oh. Putain. Et je suis à peine théâtral dans cette réaction. Effectivement, on était bloqué à un boss là, casse-couille. On l'a pas été essayé tant de fois que ça, mais je sais qu'il est casse-couille. Je le sais déjà. Seigneur le mort, c'est 18h, c'est ça? 17h, dit Zully. Et trop bien, il y aura le mort du 18h. Donc battez-vous, la Civil War dans le chat là, comme vous voulez. Bon, sinon j'espère que ça va bien, on le mort tranquille. Et c'est marrant hein, parce que j'ai vraiment pas envie de le faire ce boss là. C'est ouais. C'est impressionnant. Parce qu'en plus, non j'étais pas obligé de le faire, j'allais dire je suis obligé de le faire, non je suis pas obligé, il me semble que c'est un boss annexe hein. Je suis pas sûr que ça en soit un. Mais d'un autre côté C'était où déjà? C'était là? Flamme de la haine. D'un autre côté Merde, voilà, je sais plus ce que je disais, mais merde, en gros. Je peux résumer, c'est merde, ce boss. On était arrivé à la deuxième phase. Ça n'avait pas duré très longtemps, il changeait un petit peu ses patterns, là. Mais c'est pas un changement drastique. Donc, à mon avis, si on commence à maîtriser bien la première phase, la deuxième phase, ça devrait couler. La troisième phase, je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Je sais pas ce qu'il fait, là. Il tape sur des cadavres, c'est ça? Ça l'amuse, ça? C'est Epsil. Donc oui, on pourrait sinon, je suppose, aller au boss de fin. Je suppose hein, que le prochain truc, c'est le boss de fin, parce que on ouvre une porte qu'on a vu tout le jeu et qu'on pouvait pas ouvrir. J'en suis pas sûr, cependant. Non. Ok, alors laissez-moi 2 secondes de me remettre dans le truc, là. Hop là. Hop là, effectivement, et hop là. Je vais me laisser crever, là. Je vais me laisser crever, parce que c'est terrible. Faut me dire bonsoir à 18h, comme ça on est sûr. C'est vrai. What the fuck, c'est qui ce boss et comment l'atteindre? Et ben voilà, il t'a fallu que 10 secondes pour te spoil sur mon stream. Bon, ça va, j'ai un mois de retard sur les autres streamers là. C'est pas de ma faute, ok, si tu t'es spoil ici. Tout le monde est déjà en train de faire des putains de world records en 28 minutes là. Que moi qui traîne de la patte. Bon, bah c'était une bonne première tentative ça, non? Bah oh, point de poids du doigt. Alors je sais plus jouer, je vous préviens. Il y a un follow-up à ça. Hop là. Hop là. Regarde, j'ai joué à Dark Souls moi. Celle-là, je me souviens que je savais toujours pas l'esquiver. Ça me surprend pas de me faire toucher. S'il me la refait, je pense que là je crève instant. Hop. On peut parer ça? Ouais bon, ça marche pas très bien, mais on peut. Qu'est-ce qu'il fait déjà là? Oh là, mais je suis à l'ouest. Vous me dites si le son du boss est trop fort, parce que là, ça vaut le coup que je le règle. On va être sur lui pendant quelques temps, je pense. Parce que vous voyez la vie qu'il a, ça veut dire que c'est midir bis en fait, ce qui m'énerve grandement. Et qu'on va y passer un temps relativement fou, hein. Parce qu'un boss avec beaucoup de vie qui tape aussi fort, on connaît la recette, hein. Je sens bien que c'est le genre de boss, par contre, une fois que tu le maîtrises, tu le défonces, mais bon. La première fois, c'est toujours douloureux. Ce big boy, AC Unity est gratos pour ceux qui veulent. Mais putain, pourquoi je regarde le chat? Mais qui veut AC Unity? Oui!
Oui, je veux assez Unity, oui. Ils sont gentils, mais bon. Qui c'est qui veut mon poisson pourri qui se vend plus, là? Peu la même chose, quoi. Merde. Voilà, c'est deux bons tries. Deux très bons tries. Le son est pas aussi fort que ta niazitude. Bon, en tout cas, oui, effectivement, si vous voulez Assassin's Creed Unity, allez-y, mais bon... Pourquoi vous faire ça, en fait? Pourquoi faire ça? Attendez, là, j'ai pas les bons items. Déjà, je vois que j'ai un truc de feu, alors j'imagine, hein, je... Excusez-moi si je me trompe, mais... Je n'y crois pas trop, à cet item de feu. Peut-être le vent. Je me dis, tu vois, le vent, il y a quelque chose à faire sur un PNJ qui a du feu. Non, vous en foutez, vous, de toute façon. Est-ce qu'il est... Si ça se trouve, il est sensible à ça, je sais pas. Ce serait incroyable. Je pense pas, mais... Après tout, c'est un espèce de démon. Ouais, c'est un démon, lui, donc... normalement, regarde, là. Ah, ouais, je... Oh, putain, mais pourquoi je suis trop intelligent comme ça, là? Si ça marche à répétition, ça va casser le boss, hein. Mais c'est pas de ma faute, j'ai un QI débordant. Bah oui, bah j'ai regardé trop de vissos, hein. Oh là! Ah oui, alors là, attention, ça tape. Hop! Oh, Dieu sait que j'ai fait une esquive à gauche. Mais là, j'ai pas du bon stuff. Oh, je vais me prendre un coup de latte en revenant. J'ai pas du bon stuff. Ah, ça va. Ah, par contre, les gars, je viens de trouver une technique, donc ça va pas du tout. Il sera probablement utilisé plus pour les phases suivantes, je pense, quand même, parce que j'ai pas beaucoup. Ah, mais si, des emblèmes, j'en ai l'infini. Ah oui, bah oui, mais attendez, mais c'est incroyable, là. C'est vrai que j'ai toujours ce riz, hein, ce riz intouché que je n'ai pas à manger. Ok, alors le mort nous fait une thèse sur si on dit bonjour ou bonsoir, cependant l'heure. J'ai acheté Monster Hunter World, je sais pas ce qu'il joue. Bah j'y ai joué 80 heures et quelques en stream, mais là j'y ai plus touché depuis. Et c'était sur PS4, il faudrait que je le refasse sur PC, donc autant vous dire que c'était pas proche d'arriver. C'est très lyrique, mais ça fait très mal à ce que tu viens de dire, Bart. Ce qui a de la VOD, il vient de dire c'est pas la stratégie qui m'inquiète, mais le stratège. Je trouvais très, extrêmement beau, mais là je suis dead là. Voilà. C'est bien ça. L'arène n'est pas assez grande, faut croire pour moi. Bon, en tout cas, on retient qu'il y a eu une percée là dans le. Non, il y a eu une percée incroyable niveau scientifique, niveau raisonnement. C'est un trouble comparable à. Je sais pas moi. Un trouble quoi. Un énorme trouble en fait pour le monde occidental là, ce que je viens de trouver. Je suis sûr qu'aucun streamer n'avait jamais trouvé ça, et encore moins ceux qui finissaient le jeu, je me trompais de touche, en 30 minutes. À mon avis, ils ont même pas cette technique. Donc t'imagines si d'habitude tu finis le jeu en 30 minutes et maintenant t'as ma technique super pour tuer ce boss. Tu fais un all boss. Oh, il a un ventre! Plein de poils dégueu. Là pour l'instant, remarquez que je suis pas trigger là, je suis plutôt de bonne humeur. Mais bon, j'ai un petit sentiment comme quoi ça ne va pas durer, bien entendu. Connaissant. Mais regarde les dégâts là. Oh bah je saute dans son coup de pied, du coup ça me fait pas mal, c'est ça? Oui! Ah bah là je suis mort. Bah oui, mais c'est de la merde. Je me laisse crever encore. C'est plus simple quand on meurt en première phase et qu'on a... Hein, voilà. Je suis bloqué à ce boss depuis 6 jours, je chiale. Sachant qu'Areus, salut d'ailleurs, je sais pas si... Bah non, je t'ai pas dit bonjour parce que tu viens d'arriver, je suis con. En même temps, vous êtes tous violés les modos, là ça va la charte graphique, là je vous ai jamais demandé... Areus avait carrément arrêté, je suppose que t'as toujours pas repris Areus. Tu t'es arrêté à ce boss, non, tu disais? Faut dire salut, c'est vrai que Rayakour là il est plus proche du peuple. Plutôt que se faire chier à dire bonjour ou bonsoir, tu dis salut. Shabbat shalom. En tout cas, il est sensible au sifflet. Oh, et oh, je te foutrais moi des conneries là! Tellement pas de dégâts, ça me fatigue. Oh, par contre, j'ai esquivé cette attaque, hein. Donc voilà. Bon, j'ai eu de la luck, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, alors ça, par contre, c'est le coup de shotgun à bout portant. Je vois pas trop ce que je peux y faire, sérieux. Allez, rapproche-toi, sac à merde. Sac à purin. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui. Ça fait tellement rien, ça, tu sais. Je vois pas l'intérêt. Oh, c'est joli et tout, mais en fait ça fait que dalle, t'es. Hop là, tu me touches pas. T'as déjà un problème de vision dans ton jeu parce que. Alors par contre là j'ai esquivé, mais ça se voit pas très bien. Bah oui, mais là forcément, pourquoi tu fais ça?
Depuis quand tu fais deux fois cette attaque sans... Enfin non, tu fais pas ça d'habitude, tu arrêtes. Ouais, bon, là je joue très mal aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je pense qu'il va y avoir un déblocage à un moment qui va faire que je vais le défoncer d'un coup, tu vois. Putain, mais ça je l'esquive tout le temps, mais trop mal en fait. J'ai repris aujourd'hui, je supporte pas de laisser ce jeu pas fini, tu m'étonnes, Arius. Surtout quand on l'a payé à ce prix-là, au prix qu'on connaît, hein. Moi je l'ai eu à 45 balles, ou 40 balles, je sais plus, sur Amazon, à mon avis c'est 45, c'est déjà pas mal. Mais enfin, bizarrement, hein, étrange coïncidence, c'est le prix sur Amazon et c'est le prix sur Instant Gaming. Je me demande comment ils ont cet exclu, Instant Gaming, quand même, non? C'est nice. Mais du coup, ouais. C'est pas pire que Metro, j'ai envie de te dire, que j'ai pas fini, mais que j'ai payé pour le prix qu'on connaît sur l'Epic Store, donc sans remise. Voilà. Le prix que j'ai payé Metro Exodus, hein. Sachant que j'ai moins d'heures de jeu que Sekiro, déjà. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce pattern, là? Je t'ai jamais vu, ça. Putain, tu me saoules, t'as trop... Tiens. C'est bien la première fois que ça me touche, hein. Là on a vraiment atteint les bas fonds. Je vais y arriver, mais là je sais pas, ça... j'arrive pas. Peut-être si on jouait pas tous les 5 jours à ce putain de jeu, on en serait pas là aussi, hein. Excusez-moi d'être vulgaire, mais bon. Cool, j'ai rien perdu comme ça. J'ai rien perdu de mes 9 d'argent et de mes 407 d'expérience. Bon, Arius, en tout cas, je sais pas si t'étais là quand j'ai découvert l'astuce qui a fait tressaillir les cieux. Mais tu me saoules, putain, t'as vraiment 3 patterns, ça me casse les couilles. Jusqu'à ce qu'il te fasse un pattern qu'il fait jamais, tu sais. Là, il m'a déjà touché, en fait, vaut mieux crever, quoi. Regarde les dégâts qu'il fait, putain, c'est vraiment... Vous savez à quel point j'aime pas m'y dire, hein. J'ai le même feeling, là, environ. Environ, hein. Ah bon? Pourtant j'ai utilisé votre QTE là. Bon, ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être le juge d'Dark Souls 3 là. Ça aurait pu être ça, effectivement. Mais tu me saoules là, monsieur 4 patterns, c'est bon quoi. On n'a pas genre 5 jeux de From Software dans ce style là pour que tu fasses un putain de truc à 3 patterns. Je suis arrivé quand tu t'en vantais. Bah tu vas voir, Arius. Tu vois, c'est ma petite technique ça pour que tu restes sur le stream. Comme si toi avais besoin, tu sais. Vu que t'es jamais sur le stream, Arius. Tu vois, je te fais t'accrocher en te montrant pas tout de suite ma technique ancestrale. D'ailleurs, tu risques de l'avoir dans très longtemps, hein, parce que je me demande à ce rythme-là comment je suis arrivé en deuxième phase l'autre fois. C'est un mystère, quoi. Je devais être vraiment très très fort. Ça me casse les couilles, parce que j'ai l'impression de l'esquiver, mais je le fais trop tôt. Ouais, je m'en fous, je réveille. Osef. Ça aussi, c'est vraiment de la grosse merde. Et en plus, il y a un follow-up que j'avais jamais vu. Alors, j'avais vu, mais que j'ai oublié, bien entendu. Ah, tiens, on peut le stun, mais on sait pas pourquoi. J'ai tapé dans ses pieds. Je suppose qu'il a un threshold de stun plus faible. Si je tape dans sa tête. Attends, je suis en train de. Bonjour, visage content. Visage content. Plus d'une narquois. Espiègle. Merci Antoine Dragonia pour les 5 mois. Bientôt 6, hein. Voilà. Chiffre ô combien symbolique dans la culture. Différentes cultures païennes du monde. Merci beaucoup. Hein. Oula. Merci beaucoup. Allez, on est même pas à la moitié de sa putain de barre de vie là. Moi, streamer, c'est mon plaisir, c'est mon temps libre là. C'est pas pour faire ça. Oh le connard. Hop. Eh non, ça marche pas comme dans Dark Souls 3, malheureusement. Ça, c'était mon kiff dans Dark Souls 3. Tu pouvais te faire mettre à terre, tu vois. Genre, t'étais à terre, tu vois, tel le l'araignée qui fait semblant d'être morte. Et dès qu'il y a un truc qui s'approche, tu vois, tu pouvais direct faire ta roulade là et ça marchait instantanément. Mais là, j'ai pas l'impression parce que je me suis fait latter la gueule en essayant de le faire. Donc, je suppose après la démonstration que non. Hein. La théorie était très belle, mais à retester, bien sûr. Non, mais s'il te plaît, mais cette attaque, je la déteste aussi. Regarde-moi ça! Les 3 putains de tirs de ma vie, même plus en fait, hein. Voilà, pas mal. C'est vraiment sympa, c'est 3 quarts de ma vie en fait, hein. Ils sont partis comme ça là. Miyazakzak, il a dit ce boss il va être dur. La tête de moi, il va être dur ce boss. On l'a pas vraiment fait dur, mais regarde, juste.
Si on augmente, tu vois là, il a pris le logiciel là, il est venu derrière, il a vu la barre de PV, il a fait ouais moi aussi je programmais avant, il a touché, hop, il a monté les PV, il a fait x2 en fait. Et après il a vu les dégâts, il fait ah bah x3 les dégâts, faut qu'il fasse mal quand même. Et puis 3 phases tiens. Tu sais, parce que je suis en train de rager alors que j'ai même pas commencé le boss, c'est genre je suis toujours qu'à la première phase, je suis déjà en train de me plaindre. Cette attaque, je sais pas comment je l'esquivais l'autre fois, hein. J'arrive pas à l'esquiver là. Pourtant pas compliqué putain. Oh celle-là par contre elle me touche pas mais bon c'est pas grave. Ça va être une AOE un peu. Non en plus il y a eu tracking ce trash. Trash King. Et là il m'a pas touché, bah oui. On aura tout vu tu sais. Et hier tu sais. Ça ça me passe à travers par contre hier. Sur internet je vois un gif d'un mec là qui esquive un coup en se baissant tu sais. Alors forcément c'est de la hitbox porn quoi, c'est magnifique tu sais. Juste en faisant ça, tu vois, juste en faisant comment on fait déjà. Juste en faisant ça, tu vois, il esquive un coup. Il y a un coup de pied qui lui passe dessus. Du coup, mon sub pour te moi, je suis comme les mecs dans les commentaires, je suis ouf, tu sais. Comment c'est trop bien fait. Et après, je pense, je vois ça quoi. Bon alors, du coup, j'étais en train de dire quelque chose et j'ai rien capté. J'aurais bien voulu partager mon sub pour te déconcerter une fois proche de victoire. Ouais, non, là, il vaut mieux. J'ai déjà envie de recommencer. Tu m'as déjà gonflé quoi. C'est incroyable. Mais regarde les dégâts là, regarde-les bien là. J'ai essayé de taper la tête maman, j'ai essayé de tout taper. Tout ce que je pouvais je l'ai tapé maman. La tête ça fait rien de plus. C'est quoi cette merde, on a fait Bloodborne pour revenir en arrière après. Ned. Bah mourir oui. Moi s'il faut je le ferai pas ce putain de boss hein, je passerai en NG+. Je m'en remettrai, sérieux. C'est pas vrai, je m'en remettrai pas. J'ai pas passé 10 heures sur Ludwig pour abandonner cette pauvre merde là. Cette pauvre merde. Bon, je vais quand même faire la technique pour arriver en phase 2 là, ça me saoule. Ah oh, sale putain. Là tu sais que t'es une pute quand même. Là tu sais que t'as eu de la chatte là. Si je peux me permettre. Je sais pas quoi faire pour esquiver cette merde. Je sais pas comment je faisais l'autre fois. Ça me stresse beaucoup là. Allez, là tu te le prends s'il te plaît. Putain, ah non, j'ai cru qu'il est reparti encore. Hein. C'est quoi cette attaque là? The fuck is that? Et si ça continue en plus? Je vais essayer de faire juste ça, on va voir ce que ça donne. Écoute. Voilà, j'étais trop gentil. C'est comme ça que j'avais fait l'autre fois pour arriver loin dans sa barre de vie. C'est juste que je spammais et je restais proche de lui. Écoute, ça a l'air de fonctionner. Bon, ce qui fonctionne aussi, c'est que j'ai la prothèse MDR. On verra bien quand ça commence à attaquer sa barre de vie. Maintenant ? Non. Qu'est-ce qu'il a le bébé cadavre là ? Oh, je peux sauter sur son dos. Profite de tes seules attaques qui peuvent me toucher. Nice. Est-ce que je peux... Non, je l'ai pas déjà fait le raise. On va le faire. Osef. Une bombe. C'est quoi ça? C'est nouveau. Ah d'accord, ça marche pas en première phase. Non, c'est juste bugué parce qu'il a essayé... Il a fait un coup en même temps. Du coup, il part du principe que non, il devrait pas être stun. Je suppose. C'est quoi ça? Nouveau ça. Ça va jusque là, parce que j'étais assez loin. Mais... Putain. Ça
fatigant en vrai. J'ai pas envie de passer une demi-heure sur un putain de boss. J'en ai marre. Je croyais que c'est derrière moi ça. Comment tu fais ça? Comment est-ce que tu bends les lois de la physique pour rester plus longtemps en l'air comme ça là? C'est le mec qui se pose que ça comme question dans tout le jeu, c'est. C'est le seul truc qui me choque. C'est le seul irrespect de la physique qui me choque dans tout le jeu. Mais là, j'ai déjà tellement plus de vie, ça me casse déjà les bonbons là. Il faut déjà que je. J'avais pas amélioré cette fiole là. Je l'avais améliorée non l'autre fois, elle est rien amélioré du tout, elle redonne que dalle de PV là. Et lui il fait ça, regarde-le. Je vais regarder si j'avais amélioré cette fiole parce que ça me stresse là, elle me redonne rien j'ai l'impression. J'aimerais bien voir de combien de pourcents elle s'est améliorée, c'est genre un truc style 10%, tu sais, si merde quoi. J'avais dû le faire en... Ouais je l'avais fait. C'est pas possible. Ça change rien par rapport à l'autre fois. Il y en a pas une autre? Il y en a pas une autre, j'avais déjà regardé en plus. En vrai, je rigolais tout à l'heure, mais je vais peut-être pas le faire, hein, ce boss. Je vais peut-être aller directement à la suite. On verra, le boss de fin est peut-être pire, mais il est peut-être aussi un peu plus stylé, un peu plus sympa, quoi. Mais après, peut-être que lui, il est obligatoire, et je le sais pas, hein, pour l'instant, mais bon. J'aime entretenir cette idée dans ma tête que j'ai le choix, en fait. T'as pas un follow-up à ça? Ok, tape ta tête. C'est vrai que t'as les cheveux longs, ça sert à être bang, je vais te dire. Ça me saoule ces attaques délayées là, censé être plus simple mais c'est horrible en fait quoi. Moi ça, il y a des attaques putain de lentes en mode c'est plus simple sauf que moi ça me fout le seum, je trouve ça plus dur à chaque fois. C'est comme les putains de soldats de merde de Dark Souls 1, c'est au tout début du jeu là. C'est quoi ça, t'as cassé ton combo là? Je trouve ça plus dur de parier hein, une vieille carcasse du début de Dark Souls 1 qu'un ennemi soi-disant plus dur. Parce qu'il y a un espèce de délai dans leur coup censé être plus lent, plus simple, mais en fait. Là ils me touchent pas par contre. Mais bon, c'est pas grave. C'est des AOE on va dire. Ça fait trembler le sol, c'est mal aux pieds. Ça me désespère hein, quand j'utilise pas le sifflet, regardez sa vie quoi. Je tape depuis un moment quand même là, non? Enfin moi j'avais cette impression. J'ai déjà essayé de me protéger, le problème c'est que ça fait des dégâts et en plus ça fait monter ta putain de barre de brûlure, c'est insupportable. Ah bah allez. Peut-être faut que j'esquive de l'autre côté par contre. J'ai cru comprendre. Je suis qu'à 5 fioles. Allez hop. Je suis maintenant à 3 fioles. Et je suis bientôt en brûlure, MDR. Et je suis toujours en putain de première phase. Mon dieu quoi. Là, je vais sûrement y arriver hein. Content de savoir que ça marche. C'est de passer la deuxième phase pour voir à quoi elle ressemble la troisième. C'est encore la même chose. Comme il bouge son boule à chaque fois que tu le tapes, c'est incroyable. C'est bon, il a encore plus de PV là. Sur la deuxième phase, non? Qu'est-ce qu'il fait là? Ok. Ah, il a quand même des nouvelles attaques en deuxième phase. Hein. Au lieu d'être plus rapide.
Il faut le taper par contre. Il faut le taper par contre. Merci. Oula. Ça va durer très longtemps là. Enfin, pas mal quand même, mais. Pas dégueu, on va dire. Ça a pas marché? Ah non, si ça a marché. Chaque fois j'ai tendance à être sur la gauche alors qu'il faudrait que je sois sur la droite, mais j'y pense pas à tourner par la droite. J'ai trop l'habitude de tourner à gauche sur tous les boss de ces jeux. Qu'est-ce que ça là? Tu te prends. Merci. Non, je vais me faire toucher parce que je l'ai fait pendant une animation, ce qui est un peu con. M'en fous, je le fais quand même, regardez. Hop. Wouh, midlife. Wars, ça m'en a donné que... Ah non, ça m'en a donné 5. Comment il m'a pas touché? Je ne sais pas. J'avais pas fait d'esquive, je tiens à le dire. Je fais esquive après son coup. Et voilà. Comment ça se finit? Merci le jeu, quoi. J'ai envie de voir la troisième phase, maman. 2 mois déjà, ça passe vite. Merci pour les 8 mois. Comment ça, 2 mois déjà? Encore l'aide divine, j'ai que ça tout le temps, c'est incroyable. Merci beaucoup le big boy en tout cas, ça fait plaisir. T'as ta cage thoracique qui est un petit peu... Il y a un problème, si je peux me permettre, hein, je veux pas être... Qu'est-ce qu'il fait là? Merci. Non, parce qu'il y a du tracking en plus, donc à esquiver c'est bien casse-couille. Ah, le feu. Je me suis brûlé avec le feu là. Je crois avoir trouvé un petit peu ce qu'ils veulent qu'on fasse, mais le problème c'est que je le touche pas beaucoup en faisant ça. Je me fais pas beaucoup toucher, mais je le touche pas beaucoup. Oh, c'est pas mal hein. Un petit rythme de croisière pour ça. Ça marchera peut-être pas sur la deuxième phase. Comment il tourne comme ça? Dead. Il tourne comme ça là. Il a des ilis sous ses pieds. Ah c'est là par contre. C'est vraiment un putain de mystère celle-là. Quand t'es proche de lui, comment tu esquives? Pour l'instant c'est un mystère pour moi. Ah non, pas dead. Viens me toucher là. Ouh, pas loin. 5 fioles là. Mid fiole. Fais plaise. Toujours première phase hein. Oh god damn it, quoi ça. Dead. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté, peut-être trouver le boss de fin, parce que j'ai pas envie de me le faire lui. Enfin, vraiment pas, je vais me prendre zéro plaisir, il m'intrigue zéro. Nice! Pierre du corbeau là. Pierre du corbeau, c'est qui celui-là? Je l'ai trouvé ce mec là? Le meilleur des PNJ que j'ai pas trouvé. Du coup ce serait par le réservoir, non? Ah bah c'est ça. On va aller voir ce qu'il y a, mais je crois que ça mène au champ de... Il me semble qu'on était sorti par là. Je suppose que ça va se finir là où ça a commencé. Il suffit pas d'être un... Il s'agit pas d'être un devin pour imaginer ça. On va voir si c'est ça, mais... Ouais, c'est ça. On était déjà venu ici.
Bon, alors là, c'est pas le boss de fin, je sais pas quoi vous dire. Kuro-sama. Hisashina, Miko no Shinobi. Mio, Fushigiri no mou hitofuri. Kenichiro-tama. Sono yona mono deva, keshite Ashina no meiun wa kawarimasen. Okami yo, ryuin nado, dare no te ni mo aru beki wa nai no da. Kuro o kakeru na. Maïru. Ah, Shimai Toshio. Bon, même si c'est la même personne, je suppose qu'il va faire plus de dégâts, il va avoir plus de vie, c'est ça? Il va être plus fort. Somehow. Oh, y'a qu'une. Ouais, bon, j'y crois pas trop à ça. Ah, déjà! J'entends. Non, oh, ça rappelle de celui-là. Est-ce que je peux me cacher? Il me voit plus. Carman 2 là. La peine de sauter. En tout cas, il tape fort. Ah la petite pute là, hein, il a un follow-up. Spécialement prévu à cet effet. Je peux le parer ça, ça. Ah, ça me fait des dégâts, bien sûr. Le petit plaisir. Ouh, le tracking dans l'air, attention, ça me fait peur ça. Oui, il peut pas se faire stun. Ah, le mec il est en slibar, encore un mec en slibar qu'on peut pas stun. Oh, ah, j'ai fait trop tôt. Ok. C'est pas grave, hein, j'avais plus de la moitié de ma vie. Ma faute. Qu'est-ce qu'il fait là le weeb? Oui bah bien sûr oui. Putain il fait ma technique de courir autour de l'adversaire. Oh il tire deux fois. Ouais je te note. Aide divine. On va ravi. Combien est-ce qu'il me reste? On s'en fout. On verra bien. Combien est-ce qu'il me reste de larmes de je sais pas quoi? Ouais, Shio, tu viens voir le boss de fin, ça? Ah oui, alors ça. Ah bon? Oh, il y a un follow-up, tiens. Et puis on peut pas stun. Midlife. Allez, hop. Done. Je continue quand même, histoire de voir. Pourquoi pas après tout? Ouais, je suis obligé de me heal en fait, ça qu'ils me disent quoi. Tu peux pas être mid-life sans payer le prix infâme. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bah, il remit de life. C'est un cycle. Un cercle vertueux pour lui. Et juste vicieux pour nous. Non mais ça, faut arrêter de faire ça là, mon petit seigneur. Ah, de tourner comme un weeb. Oh, j'étais tellement hors timing. Je serais scandalisé à sa place. Je veux dire. Eh ben là par contre les stuns alors qu'il était en l'air. Mais pas cette fois par contre. C'est quoi ces stuns aléatoires là? Et c'est quoi ce timing aussi là? Oui oui monsieur super weeb. Bon t'es bientôt dans le rouge, tu feras gaffe.
Bon, c'est quand tu reprends tous tes PV là? Et qu'en fait tu montres que t'as 15 phases de plus. Eh ben, de rien, big boy. Yop, Nerli. Ah bah yes, j'ai fini le jeu alors. Je croyais que ça allait être un verre. Hello there. Wesh, Captain moi. Merci pour les 16 mois, tier 3. Ah. Merci beaucoup. Washi wa kono ashina o yomigaerase neba naranu. Yue ni sekiro. Onushi o kiru zo. Maire, sekiro. Sekiro. Ishin, Ashina, le maître épée. Attends, mais c'est. Il y en a deux d'Ishin ou c'est le même là? Ça en fait, c'est une grosse conspiration. Qu'est-ce que. Il a tué le dragon divin ou quoi? Il a récupéré son vent là? Il a trois flottes. Bon, je suppose qu'on se retape quand même la première phase à chaque fois, non? Ce sera pas aussi simple la vie. Ah, ok, rip. Allez, retourne-toi que je te fasse un backstab. C'est extrêmement drôle sur un boss. Ouais, qu'est-ce que ça là? Non. J'ai le seum, je croyais que je pouvais l'interrompre, mais j'étais trop court. Oula! Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait, papy? Papyro. Ok, eh bah allez. Eh bah écoute, pas mal. On lui a enlevé quoi, un quart de sa vie? Si on a un DLC pour Sekiro, je vais me retaper le premier là. Pitié, pitié mon seigneur. Why? Mais c'est juste monsieur casse-couille, je t'enlève une ou deux fioles. Avec ça genre. C'est toujours mieux, hein. C'est toujours le constat, c'est que c'est mieux de faire une esquive que d'utiliser le machin là pour esquiver pour les attaques des stocks. Bon, je vais me faire laté là. J'ai déjà fait laté, mais encore plus parce que je vais m'avoir de posture là qui est pas terrible.
Ah mais ça, t'as pas le droit de le sortir en plein milieu comme ça là. Ah oui, c'est vrai. Ah, Seigneur Dieu, pourquoi il a fait ça juste à la fin là? On est d'accord que c'est lui, c'est le même que le Ishin. Enfin, on est d'accord ou pas, comme vous voulez, chacun s'est vu, mais il a la même voix, non? Ah. Qu'est-ce qu'il fait le crouton là? Ok. Bon, ce fut expéditif, hein. Non mais... Je sens le petit code là. Je le connais que trop ce code. Il n'a que trop été utilisé dans cette série. Le code de joueur se soigne, rechuit sa putain de gueule. Fais lui payer d'avoir été si présomptueux. Arrête de faire ça toutes les 3 secondes! C'est moi qui l'ai inventé et tout, c'est trop cool, regarde! Je m'en branle. Ah, c'était l'autre. Putain, je confonds. Enfin, je confonds pas, mais... Je fais plus souvent l'autre, du coup, je me suis dit ça va être celui des stocks, là. Et là, c'est les stocks, par contre! Qu'est-ce qu'il fait, là? On est pas dans un anime, arrête de courir comme ça, là. Ah, là, c'est les stocks, mais j'aurais pas dit. Et bah voilà. J'aime bien aussi ces mouvements, t'as l'impression que c'est que... Il s'en branle quoi. C'est à une main au calme. Pourtant ça t'enlève bel et bien un tir de ta vie à chaque fois. Ah bah c'est un gros whip ouais. Il est plus jeune là. Oui bah ça a du sens après tout. Après tout il a renaquis à partir de quelqu'un d'autre, c'est ça. C'est legit. D'accord t'as pas vu la deuxième phase, non mais je veux pas la voir à ce rythme là. J'ai l'impression de faire le même boss depuis le début du jeu en fait. Tu me diras, le démon il change, hein, c'est juste qu'il est nul. Watch my bones? Ah mais... Enfin... Qu'est-ce que je fais là? Ok, je crois que là tu t'excites un peu sur place. Calme-toi. J'adore cette attaque, continue de me la faire. Oh là, pas celle-là par contre. On peut la parer celle-là, putain, mais il me fait celle-là à chaque fois pour m'enlever des PV là, cette petite pute. Je sais très bien que c'est mon point faible. Le démon, je l'ai pas fait au final. Hein. Il me saoule. Je prends aucun plaisir dessus, il m'intéresse pas du tout donc. Écoute, j'ai assez donné à hein, souffrir sur les boss, ça va. J'ai plus cette passion là, j'ai plus envie quoi. Ok, je vais tomber dans le vide là, vous êtes prêts? Non mais... C'est un thème récurrent, les mecs en slibar qui sont instenables alors qu'ils ont aucune protection. C'est quoi ça? Ah oui. Qu'est-ce que... Ah oui, si je connais, ça se fait des dégâts de ouf. Je connais bien cette attaque, il y avait ton samouraï là qui était d'ailleurs encore plus dur que toi dans le château, tu me faisais.
C'est le mini-boss là qui est plus dur que tous les boss du jeu. Ouais. C'est tellement plus worth d'esquiver cette attaque là. Enfin comme ça je veux dire. Je savais. Je l'ai vu venir. Et pourtant j'ai fait quoi? Rien. Clairement, il vaut mieux pas jouer les PV hein, contre lui parce que putain. Oh, c'est ma faute. C'est encore ma faute, mais je suis, il faut pas le dire. Mais cette attaque là, elle est complètement broken. Ouais, je vais voir ta deuxième phase, c'est quoi? C'est la même chose, d'accord? Qui se prend ce vieux schnock là? Putain, les dégâts! Allez, plus de fiole hein! L'année prochaine! Jamais il est dans le rouge là, cette petite pute, ou comment ça se passe? Eh ben en plus il me fait ça. Oh, joli ça! Plus que deux fois. Oh putain. J'ai pas envie. Oh d'accord, ok. J'ai un poison pour toi qui va kiffer, regarde, hop. Incroyable, c'est putain de pétard dans ce jeu. C'est vraiment incroyable. Mais il est complètement taré lui en fait, c'est ça son délire? C'est d'être fou. Calmez le vieux quoi. Eh bah rip. Ah, je peux revenir quand même. On va le faire hein, pourquoi pas. Ah, une main. Donc là je sais pas comment son château il a été envahi, sachant qu'il est plus fort que 5000 armées. Une armée de 5000 hommes plutôt. Mais 5000 armées aussi. Comme c'est parti, t'y arrives pas? Non, t'inquiète. C'est ça parce que j'avais zéro fiole à la fin de la phase 1. Hein. 5000 armées d'un homme, ça marche aussi. Voilà, 5000 armées d'un homme. La commune. Ça, je sais pas pourquoi, par contre, on doit se taper ce déchet là juste avant. Ce n'est pour perdre une ou deux fioles. Ah bah. Parce que là, j'ai un. C'est pas toi qui vas me tuer, par contre, mais j'ai un plan. Y'a pas du loot caché dans cette arène? Non. T'auras pas Alsace et Lorraine. Ah oui, c'est vrai. Ça fait penser au vieux jeu. Enfin, même au jeu de plateforme tout court où ça te fait juste perdre un peu de vie quand tu tombes plutôt que mourir. Je sais pas ce qu'ils ont fait par contre avec la difficulté dans ce jeu, c'est... Genre tu roules sur tout le jeu et... Enfin vraiment, je vois pas d'autre explication que Miyazaki qui est passé derrière le programmeur et qui a touché la barre de PV de tous les boss quoi. Genre de PV et de dégâts des boss restants, il a fait un caca nerveux pour que ce soit dur son jeu. Alors que juste avant, tu sais, tu défonçais tout quoi.
Non mais lui c'est vrai qu'il faut le spammer. Y'a que ça qui comprend. Ah come on. À bout portant. Donc celle-là et les autres là qui sont chiantes. T'es pas censé être dans le rouge là? Ah non. J'espère qu'il va y avoir un mode pour corriger cette barre de posture là. J'adore ces animations. Après tu peux faire tout le combat en attendant cet attaque là hein, si hein. C'est une possibilité. Si t'as 27 jours devant toi. Oula, je suis un peu proche là quand même. C'est encourageant quand je vois ces PV en tout cas. J'entends bien. Ah non! Toujours debout! Toujours la banane! Alors, qu'est-ce que je peux sortir contre lui là? Ça? Non, pas ça. Ça? Ça se trouve, c'était pété ces merdes là. Je sais pas. Je vais mettre ça. Après, écoute. C'est ça, hein. Mmh. Oh, je croyais que j'étais dead, hein. Il était gentil. Oh le buff, il dure moins longtemps que dans mes souvenirs. Comment il me touche pas là? Je suis en plein dedans. Mais là aussi? Mmh, ouais. Ouais. Bon, on est bien là, on est entre deux boss qui ont l'air faciles. Ça donne envie. Tu peux avoir la fibre avec qui alors du coup Big Boy? C'est pas... Ça je commence à avoir la dalle aussi, il est 20h déjà. Ça fait déjà une heure qu'on stream, on a rien fait putain. Rien fait.
Allez, bute-moi. Parce que là, de toute façon... Tranquille, Bob. Il me reste que lui, ouais. Nice. GG. On n'a rien d'autre à faire dans le jeu. Il n'y a pas des zones, des trucs cachés que j'ai pas trouvé. De toute façon, je suis en train de me dire que farmer, ça changera rien au délire, là, non ? Qu'est-ce que je peux farmer de plus, là ? Des emblèmes ? Je veux dire, j'ai pas de compétences... Ouais, des emblèmes, encore beaucoup. Enfin, deux. J'ai pas de compétences passives qui pourraient m'aider, en plus, quoi. C'est... Ouais, je suis juste censé... Si, par contre, je dois pouvoir trouver une perle de chapelet, non ? Quelque part. 3 sur 4. Je sais pas exactement où, mais... Je pourrais farmer pour améliorer les prothèses. Est-ce qu'on a envie de faire ça, je le demande. T'as rien loupé depuis le début, Wellanim. Genre absolument rien. Si, je suis juste venu voir le boss de fin, là. Mais bon, ça se passe... très bien. La voix de Tomo. C'est quoi Tomo ? Je déteste ces putains d'attaques latérales. Je comprends pas ces stuns par là. Putain, les dégâts que ça m'a fait quoi. Pitié. Oh, j'ai failli crever. Tu mens. Je fais un try là et on retourne voir le démon histoire de changer de paysage. Oh pitié quoi. D'accord, je peux juste esquiver en tournant. Il n'y a pas de tracking apparemment. Mais Ashina en fait ils sont... n'importe quoi. Ils sont déjà fait écraser comme des merdes Ashina. Je sais pas pourquoi ils se battent encore les deux. Je comprends vraiment pas par contre pourquoi Ishin il a rien fait avant et là il est en mode il faut que je sauve Ashina MDR. Alors qu'il était en train de boire son saké jusqu'à la dernière seconde que son château était en ruine, tu sais. En train de cramer. On va voir le démon. Ça va changer. Ça va pas être mieux mais ça va changer. Quoi ça? Ce pattern. J'ai l'impression qu'il peut interrompre ces patterns. Petit salaud là. Ah putain, ça marchait ça tout à l'heure, bordel. J'étais trop lent! Je vais aller voir vite fait quand même faire un tour des prothèses. Ça a l'air d'être le cheese ultime, a l'air de se faire par les prothèses dans le jeu de toute façon. J'ai l'impression que c'est la bonne prothèse, c'est 50% plus simple sur chaque boss, voire plus. Donc pourquoi pas voir si on n'a pas une qui pourrait m'aider.
Alors. On s'en fout, non? C'est quoi ça? Bon, ça, de toute façon, la piste lazuli, j'en ai trouvé qu'un. Je sais pas si j'aurais pu en trouver plus, ça a l'air un petit peu hardcore à trouver. Je vais peut-être l'empoisonner, le dernier boss. Mais il faudrait qu'il parte pas tous mes coups pour ça, je pense. Dégâts de feu et empêche l'accumulation, brûlure. Ça a l'air dégueulasse, ça, en soi. Surtout que je peux le faire. Qu'est-ce que ça demande, par contre, que je veux pas utiliser? Ouais, ça demande l'espèce de sel, là, que je veux pas utiliser, surtout, parce que j'aimerais bien le garder pour ça, mais en même temps, ça, qu'est-ce que j'en fous, ça? Ça change rien. Une onde sonore qui détruit les illusions, que j'en ai à foutre. Non, mais vraiment, quoi. Je cours après ça depuis longtemps, mais en fait, ça va être vraiment à chier. Donc, tant que... j'ai rien. Rien du tout. J'ai vite fait faire un petit raid sur les bolos là. 1500 devrait se faire en un seul passage à mon avis. Ici, parfait. Je me rappelle plus le big boy. Je me rappelle vraiment plus où j'ai trouvé les prothèses à chaque fois. Même la dernière, la dernière je me rappelle quand même. Yo. Oh. Et merde. Ouais, quoique il rapporte pas tant de thunes que ça en fait. Je pourrais mettre le ballon, tu me diras. Mais... Yo, sur moi, 4 tranquille. Ah, lui il va me voir, je pense, là, non? Ah non, parfait. Il sonne pas ses casserolettes là derrière là. C'est que si. Mais tout le monde s'en fout apparemment. Personne n'écoute. Taré là. Je sais pas ce qu'il attaque là, mais. Y'a personne là-bas. Eh merde. C'est exactement ce que je voulais faire. Croyez-le ou non. Combien tu donnes toi? Que dalle non? Genre 9, 2, 11. Ah mais il y a Samurai Boy là-bas encore. Il y a encore lui. Ah il y a lui aussi. Enlo. Oh on peut cramer les herbes, c'est sympa ce petit effet là. Ok. Bon par contre ça marche pas sur les herbes de fin c'est ça. On voulait pas les voir cramer. Mais tu peux crever quoi, s'il te plaît? T'es insignifiant sur l'échelle humaine là. Sur l'échelle de l'univers, j'en parle même pas. Pitié quoi. Oui. Putain, ils sont toxiques ces pétards là en vrai. Hein. Parce que l'effet dure même pas longtemps en plus pour faire des dégâts là, l'espèce de brume là. Ouais. Ok, je suis bloqué, merci. J'ai crevé encore. Mais jamais il est dans le rouge, merci. Quand il est mort quoi, petit merde. Du coup, on a les 1500. Qui c'est qui m'a vu? C'est Casserole Boy. Osef de lui. Temple en ruine, s'il vous plaît.
Je sais pas, Psyl. Du coup, c'est ça que je voulais acheter pour tester un petit peu sur l'autre là. Ça, je l'aurais jamais de ma vie, ça non plus. Ça, Osef, mais genre vraiment. Osef a un point incroyablement rare, quoi. À quel point je m'en branle. Qu'est-ce que ça change, ça? Après avoir subi des dégâts. Donc, si t'es dans un combo aussi, tu peux le faire, ça. T'es en train de te faire enchaîner. 600 balles, Zo, j'ai pas. Oh, Chio, tranquille. Je te rassure, t'as rien loupé. Si tu t'inquiétais. Je vais enlever ces... Je les aime pas. Je les aime pas, je les aime pas. On va pas... Juste par curiosité. Je les ai enlevés apparemment. Merde. Ouais. Putain, j'avais encore pire que ça. Ça va te faire le taf quand même. Ça coûte moins cher? Non, ça coûte 2 aussi. Bon, ça coûte 2, autant garder ceux-là. Fort de ceci, on peut réessayer le démon là. Démon qui fout le démon. Mais vraiment je sens pas qu'on va avancer du tout ce soir là. Au rythme où ça va. Comment ça marche ce truc là? Qu'est-ce que ça prend? À chaque fois que tu te fais toucher des éclats ou pas? Enfin des choses. Ah non, j'ai pas loupé Nian, c'est juste que je sais pas y répondre, je m'en rappelle pas. Tu sais, moi on joue pas souvent, donc j'ai un peu de mal à me rappeler d'un stream à l'autre ce que j'ai fait exactement. Pas mal ça. Ça c'est top. Attends, j'ai fait une attaque enchaînée en plus là. Ça, je peux. N'importe quoi. J'apprécie, hein, mais bon. N'importe quoi. Allez, allez. Du coup, quand t'as ce item là, en fait, t'es insensible à tous les trucs du monde. J'ai pas vu si j'avais quand même pris des dégâts ou pas avec ça. Bah t'as vu le boss de fin, Shio? Le boss de fin? Avec ce que tu dis là, c'est un random japonais. Ouais non, c'est clair que... On est un petit peu dans... un délire... de boss pas extrêmement varié non plus. Ça c'est insane, c'est clair. Hein. C'est juste insane quoi. N'importe quoi. What the fuck les hitbox là? Oh ouais, mon parasol, je peux pas parer ça quoi. C'est quoi ce scandale là? Nudonte.
Noyudante. Oui, bien sûr. Merci. Xavier Dolan, 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 exactement. Ah oui, mais ça sert à rien, ça. Pourquoi est-ce que j'ai de la brume à côté de ma main, là ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Est-ce que j'ai encore fait au bon Dieu ? J'étais derrière lui, hein, mais bon, c'est pas grave. La loi est rétroactive. Faut croire. Dans ce pays de merde. Oh là là, il casse les couilles avec son coup de pied là. Aïe, allez. Ça, c'est l'attaque qui me touche là. Je comprends que tu veux la spam. Celle-là aussi, elle me touche. Ça fait deux fois qu'il me touche comme ça. Pas qu'il me tue comme ça plutôt. Que je meurs, que je reviens et que je meurs à cause de cette attaque de merde d'enchaîné. Je suis pas sûr qu'on peut dire que je gère, mais j'ai l'impression quand même de le bâcher pas mal et que ça me prend quand même 20 minutes à tomber une phase quoi. Et ça vraiment ça me fait du mal, ça me fait beaucoup de mal. Ah oui non attends, j'ai mon parasol de vie de jouvence quoi. Putain mais ça le... L'onde de choc rétroactive là aussi. Bute-moi, je t'en supplie. Ça va tranquille, Slam Time ? Je fais pas plus, je fais moins de dégâts quand je tape dans la tête en fait. Faut pas que j'aille te taper dans la tête. Enfin, moins de dégâts ou pas plus en tout cas, j'ai l'impression. Ce que je constate à chaque fois que je regarde. Oh, cette attaque là, mais je la déteste, je la déteste. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je la trouve horrible ou pas. Arrêtez d'utiliser le parasol pour ça, écoute. Ça a eu son utilité. Aucun allié. Je te jure, putain, il est où Ishin là? Tu peux parer, mais ça te fait des dégâts de brûlure. Peut-être parer les. J'ai pas pensé à parer les coups de peloton là. Bon, je peux parer ça avec. Je suppose que ça marcherait aussi avec mon épée, mais faut. En fait, le truc c'est qu'il m'interrompt toujours quand je suis dans mes. En train de taper comme un gros porc, faut savoir que je mâche quand même la touche. Ça, j'ai toujours pas trouvé comment esquiver. Hein. Vraiment, je me demande comment, pour l'instant. J'en suis à ce stade de se demander pourquoi et comment. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ça part tellement vite en plus. Autant sur le démon boy, ouais, histoire de changer. Mais je joue pas avec beaucoup de conviction, je t'avoue. Un peu désabusé par la situation. J'ai vraiment l'impression de jouer contre Florence, quoi. Florence, il est plus joli. Allez hop là! Ça c'est dit! Je peux te toucher ou je fais des coups verticaux mais j'arrive pas à le toucher quoi. Il est pas assez gros tu sais. Rip. Oui oui. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas vraiment un cadeau Assassin's Creed Unity gratos.
J'ai essayé d'esquiver à droite, j'ai essayé d'esquiver à gauche. Ce serait temps de nous apprendre comment est-ce qu'on esquive cette attaque quand on est proche, s'il vous plaît. Quand est-ce que je vais trouver la solution? J'adore par contre son petit bidou qui bouge là. Mais... Attends, c'était pas lui tout à l'heure, non? C'était Pierre de la prison tout à l'heure? Je sais pas qui c'est Pierre de la prison. L'homme qui tousse a trop souvent vu ce qu'on abandonne, mais il continue de faire des offrandes aux morts. Cool, mais je t'ai jamais trouvé, donc... On se rend voir l'autre. Allez, on va voir l'autre. Je m'arrête à 20h30, je pense, parce qu'il n'y a pas lieu de prolonger la souffrance jusqu'à 22h, il me semble. Que ça va pas trop évoluer d'ici là. Vu que je suis plutôt entêté à pas accepter le fait qu'il faut jouer avec la patience, ça va être long. Je pense pas qu'on va s'en sortir en fait. Avec une hitbox qui fait la taille de Gérard Depardieu à son poids maximal, quoi. Mais tu me casses les couilles à vouloir m'enlever des PV à tout prix là. Merde, il fallait tenter. Oui. De toute façon, je vais aller bouffer après, ça que je vais faire. Fatigué, j'ai faim. C'est pas facile cette vie. Je sais pas ce qu'on pourrait streamer d'autre là, parce que ça, je sais pas si je vais pas le faire en off en fait. C'est à ce point là que... J'en suis à ce point là. Et je sais pas s'il y aurait... Il faudrait que je me replonge la truffe dans les jeux qui sortent en ce moment. Pour être sympa à faire et pas prise de tête. Assassin's Creed Unity, c'est vrai qu'il y a Assassin's Creed Unity gratos. Putain, mais en plus on me l'avait offert, hein, Assassin's Creed Unity, quoi, petite histoire. J'ai jamais dépassé les tutos. En même temps, ça veut rien dire, hein. Il faut déjà dépasser 5 heures de jeu pour dépasser les tutos dans un jeu Ubisoft, mais... Genre vraiment, je pouvais plus, quoi. Quand j'ai tapé tous les autres Assassin's Creed, faire les tutos du nouveau Assassin's Creed, c'est insupportable, quoi. Genre vraiment, t'attends... Le truc qui va changer, c'est la nouveauté, genre le grappin ou je sais pas quoi qui est nouveau dans le jeu, et tu dois te retaper tout ce que tu sais pendant 4 heures, 4 longues heures, minimum. Rêve juste en fait, non, cordialement. Bah le spam R1 s'est avéré payant, hein. N'empêche. On a beau dire, je vais essayer sur lui, tiens, voir ce qu'il en dit.
Alors lui, il en dit rien du coup, il aime pas trop. Donc ça, je vois pas l'utilité de la prothèse. Je vais la sortir, tiens, pour tester un petit peu. De cette prothèse de merde, là. Ça. Où faut mettre 50 coups pour empoisonner. Sachant que tous les putains de boss te partent en deux coups. On va voir si, vu que c'est une prothèse, il part pas en deux coups, mais... Vraiment, je questionne un petit peu, là. C'est vrai que ça ferait un... Bah, il faudrait que ce soit un marathon, quoi, pour le coup, Shio, ça. Bah, ok, c'est encore mieux. Encore mieux que ce que je pensais. Comme si je le touchais pas, en fait. Pour lui. Ah, là, il me... Tu vois, il m'a laissé taper plus longtemps, mais à mon avis, ça l'empoisonne pas, non, si je connecte pas avec sa peau. Sa douce peau. Ça me saoule, ça. Oui, je reviens. J'adore. J'avais réussi à mettre quelqu'un empoisonné avec ce truc-là. Mais bon, ça dure pas longtemps en plus. Hein. Je crois que c'était pas la nonne que j'avais empoisonné avec ça. Je sais plus. C'était pas ouf. Dans mes souvenirs. De toute façon, on a des chiots sur la bêta famille. Bah là, j'y vais sans conviction parce que... Je vois bien les failles, je les vois, mais c'est des trucs où il faut passer 4 ans sur le boss. J'ai pas envie de passer 4 ans sur un putain de boss alors qu'on est en NG, quoi. Genre pitié, quoi. Vraiment, si vous avez suivi mes challenges, il y a un truc que je déteste, c'est les boss qui s'éternisent juste parce que c'est des putains de sacs de PV qui font trop mal. C'est un peu les deux boss, là, c'est ça, quoi. Je vois très bien comment je pourrais leur faire des dégâts progressivement, mais putain, j'ai pas envie de passer 4 ans sur un boss, quoi. Trop demandé ? Ok, je me suis planté, c'est bon, oh là là ! Eh bah tu vois, Sapsil, c'est la faute du jeu, parce que j'ai réussi à arriver là, sans aucune difficulté, avec, genre, le malus de la cloche. Et genre maintenant je me fais rooster alors que tout le reste du jeu, tu vois, comme tu dis, je sais pas forcément parer bien les... Si, les estocs je sais faire. Les balayages, je sais pas bien les faire. Et je suis arrivé là, quoi. Et on a roulé sur tout le jeu. Et là c'est chiant. C'est quand même... Bon, d'accord. Okay. On va le faire pour le sport, mais... Qu'est-ce qu'il fait là? C'est gobelin. Bon, j'avoue, là, je suis pas dans une très bonne position. Là. T'as l'air de t'amuser autant que moi sur ce jeu. Bah, j'aime pas les deux boss là, mais bon, c'est. Je pense que c'est parce que je suis fatigué aussi, du coup, je suis un peu trop. À tête reposée ou de bonne humeur, ce serait peut-être pas la même chose. Mais bon, j'ai lancé le stream, j'étais quand même de bonne humeur, donc cette excuse ne marche pas forcément. J'ai pas vu ce que tu m'as demandé, Dragonir, désolé. Je pense qu'à sa posture, mais j'y pense sur le crouton là, sauf qu'elle redescend instant. Lui, je pense qu'à sa posture, là, c'est que le spammer. Mais... Ça, j'adore ça. Le vote de commande du Flash Kill, c'est pas. C'est quoi, c'était PC Gamer, non? Le mec qui a fait son article là où il dit qu'il a triché sur le boss de fin et qu'il est content. J'imagine que ça a dû bien rager, j'ai même pas besoin d'aller sur le. Je suis pas allé sur l'article, bien entendu, mais j'ai vu le titre qui est sur Steam là, dans les actus du jeu. J'ai même pas besoin d'aller sur les commentaires pour voir. Pour sentir la rage des gens. Ah oui, j'ai Windows 10 maintenant, Dragonir, donc oui, je pourrais tester Sea of Thieves, mais je le ferai pas, parce qu'il me tente pas. Ah, du coup, j'en pense rien, c'est ça ta question, oui, bah j'en pense rien de Sea of Thieves, j'ai pas testé.
Ça demanderait que j'ai des potes de toute façon. Et merde, merde avec ça hein. Oh pff, là y'a pas de tracking. Alors j'avais fait n'importe quoi. Quoi, si j'ai pu surprendre un grand samouraï comme ça. C'est bien parce qu'il était en idole, tu sais, genre il attendait. Tu vois, il était sur ses gardes, quoi, entre guillemets. Et j'ai juste mis un vieux coup de merde et c'est passé, quoi. Ah putain, ça j'en ai marre, ça. Casse-toi, mais casse-toi, le vieux, putain, personne t'aime. Ah, je suis en train de. Tiens, je fais attention à la musique un peu là. Ça va apaiser les sens. J'ai l'impression d'écouter le Silence d'Anneau. Ce qui est pas... J'étais pas dedans. J'étais tellement pas dedans. Mais what? Il me fatigue avec ça, putain. Il a des templates d'attaque, quoi. J'étais pas dedans encore. Là on va. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais dedans. J'étais pas dedans là quand même. Je suis pas fou. C'est deux fois que ça arrive le même truc. J'étais pas dedans cette fois-ci, mais c'est la même. C'était la même chose tout à l'heure. Si c'est arrivé une fois, de toute façon, si ça arrive deux fois, c'est que c'était la même chose tout à l'heure. Hein. Pas si loin de ma tempe celle-là. Alors ça il faut... Tu vois. Là on voit très bien que j'étais pas dedans. J'allais dire il faut que je l'esquive sinon je suis dedans. Bah oui. C'est ça en fait. La hitbox est plus large que le skin mais bon. J'ai pas trop d'excuses sur la troisième fois je le savais, j'aurais dû esquiver. Enfin bon jamais 203 tout de même. Voilà. Il faut aussi retenir ça, jamais 203. Allez, la DR des DR. Je pensais que je peux me faire refund avec 25 heures de jeu. Je mets comme motif, j'arrive pas à faire les boss de fin. Et on me le rend, je pense. Oula! Fin tireur. Non mais là je fais pas d'effort aujourd'hui, je fais pas d'effort particulier, je suis pas motivé. C'est un triste spectacle. Et voilà, dernier try parce qu'il est 29 et que j'avais dit 30. Et qu'il est 30 maintenant, mais bon, dernier try quand même. Dernier try sérieux s'il en est. Voilà, on va
va essayer de tryhard un petit peu, de passer sa vie sur le boss, on va voir ce que ça donne. Alors déjà lui par contre tiens. Bornias va. Lui déjà y'a pas trop besoin de réfléchir de toute façon. Merde. Oh ça on adore. Oh je suis passé à travers, nice. Qu'on doit se taper ce déchet avant le boss d'ailleurs. Mais... The déchet. Ah bon? Il m'a faut au cul mon esquive. Petite pute si je puis me permettre. Voilà, petite pute 2.0. Il va le refaire là, ça l'amuse. Et sa posture est déjà toute repartie. Mais là je faisais une parade pourtant. Ah bon, là je l'ai interrompu, mais what? C'est la loterie quand c'est interrompt ou quoi? Tiens, enfoiré, va, fasciste. J'ai juste joué avec les timings, je vais même pas faire des esquives, c'est quoi? Et bah là ça a pas marché, figurez-vous. Ça c'est drôle ça d'enlever les PV des gens qui se. Oh bah c'est bien ça! Voilà, on va reprendre ça une autre fois, je pense. Non, comme je disais, je sais pas trop comment on va faire parce que je pense pas que ça fasse un stream fun de toute façon de voir de me voir faire en boucle les boss. Si j'apprécie pas, ça fait pas un bon commentary dans, non plus, donc pas trop d'intérêt. Peut-être les faire en off, on verra. Je vous tiens au jus de toute façon. S'il y aurait la foi de les faire en off de toute façon, mais ouais. Je sais pas ce que. N'hésitez pas à me balancer des suggestions de jeux qui sont sortis. Ah si, il y avait Resident Evil. Ouais, mais Resident Evil, il y a tout le monde qui l'a torché. Bon, c'est pas grave, je verrai. Moi, Resident Evil, j'avais envie de me le faire là, le nouveau. Donc, voilà. Je vous le dis, peut-être il y aura ça. Apparemment, il est pas mal en plus. Enfin bon. Ça, je reste prudent avec les Resident Evil qui sont censés être bien. Parce que. Pourquoi la musique je l'entends depuis. Ça va être chez moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à part Resident Evil? Rien de particulier, non? J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est sorti depuis que j'ai arrêté de streamer régulièrement. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Écoute, on verra. Je trouverai des jeux. Bloodborne use what you see, plus level 1, plus randomizer. J'aimerais bien qu'il y ait ça, putain, sur Bloodborne, ça serait tellement le feu. Ça serait tellement incroyable qu'on puisse le modder. Enfin bon, merci au modo. Merci au sub, resub. Et d'avoir regardé. Tu veux forcément un jeu récent? Non, non. Un jeu sympa. Surtout. Ah, Outward, j'ai un peu testé, je pense pas que ce soit ma cam. Il faudrait que j'investisse pas mal d'heures dedans avant de kiffer et... Comme tu peux le voir, je suis pas trop cette dynamique là. Rien qu'investir plus de 10 minutes sur un boss de Sekiro, déjà ça me. Bonne nuit. Et 20h35, hein.
Bonne soirée plutôt. Bonne soirée, à la prochaine. Salut.